Eh bien, je qualifierais cette relation d'historique, puisque ça fait maintenant plus de 20 ans que l'on travaille en commun au sein du même réseau, le réseau EXCO. On se connaît depuis vraiment longtemps, on s'apprécie, on échange. Pour nous, en tout cas, c'est vrai que c'était tellement logique, tellement normal et cohérent d'intégrer le groupe Nexium, avec qui ces valeurs sont évidemment partagées. Je voulais rappeler qu'on a, avec des associés de Nexium, historiquement, réalisé plusieurs actions de recrutement de jeunes talents. On a fait, avec Sophie Tachon, un certain nombre de forums au niveau d'école de commerce où on a recruté nos stagiaires, à la fois pour Nexium, mais pour Strasbourg, en ayant un même discours et en présentant leur réseau à l'ensemble des étudiants qui étaient intéressés par les métiers du chiffre. L'avantage principal, c'est de pouvoir proposer à nos clients une offre plus large de nos services sur des sujets comme la gestion de patrimoine ou l'acquisition cession d'entreprise. Aujourd'hui, les partenaires sont identifiés. On a des spécialistes au sein de Nexium qui sont en mesure d'apporter un service de qualité avec des compétences et une proximité des intervenants strasbourgeois. Ce qu'il faut voir, c'est qu'également, il y a toute une richesse des savoir-faire qui sont développés aujourd'hui au sein des équipes de Strasbourg dans l'accompagnement de leurs clients sur des secteurs d'activité très ciblés et sur lesquels on a de notre côté à s'enrichir également de leur expérience, de leur technique. Et ça, ça va vraiment être une vraie communauté d'intérêt autour de nos métiers. Ça va être en premier lieu un échange de bonnes pratiques. Ça va permettre à nos équipes de effectivement avoir des contacts avec toutes les équipes de Nexium. Et ça offre également des perspectives finalement à nos collaborateurs dans l'évolution finalement de leur carrière, où ils vont pouvoir se spécialiser dans différents métiers ou en tout cas pouvoir appuyer ou mettre un focus sur un point particulier. Ça va leur permettre aussi de participer à des groupes de travail sur un thème qui peut être stratégique pour le groupe, du type RSE ou facture électronique. Donc ils vont pouvoir s'investir vraiment dans des projets qui sont au-delà juste du cabinet strasbourgeois. Donc aujourd'hui, on va faire en fait, la fusion de compétences, de la fusion de talents pour nous permettre d'aller plus loin. C'était un objectif effectivement de s'implanter sur l'Alsace. C'est vraiment, en termes de développement d'activité, un champ de possibles supplémentaires. Mais dans le groupe Nexium, ce qui nous importe avant tout, c'est l'humain. Quand on parle d'attractivité, c'est également dans le recrutement, c'est également un nouveau champ de développement possible pour l'ensemble des équipes, à la fois strasbourgeoises, lorraines et parisiennes. Ce rapprochement entre Expo Nexium et Expo Strasbourg va permettre de renforcer les offres actuelles, mais surtout également de se donner les moyens de développer des offres nouvelles, notamment sur tout le champ de la RSE ou de l'intelligence artificielle. On s'est rapproché de gens qu'on connaissait déjà et on est resté dans le même réseau. Et ça, c'est extrêmement important et pour nous et pour les collaborateurs. Il y a des envies communes, il y a des projets communs. On a des personnes qui veulent s'investir au cabinet, qui veulent s'investir dans le réseau Nexium. On a des gens qui sont motivés et qui veulent aller plus loin. Aujourd'hui, ce regroupement leur permettra d'aller plus loin. L'enjeu de Nexium, c'est de continuer à s'enrichir de l'ensemble de nos équipes pour pouvoir continuer à porter ce développement. L'enjeu, c'est qu'un client, quand il franchit la porte d'un de nos cabinets, c'est qu'on ait la capacité de l'accompagner sur les différentes problématiques de son entreprise. Donc la vision de Nexium, c'est ça, c'est vraiment un réseau pluridisciplinaire et surtout, c'est avant tout une expérience humaine et un partage humain. On avait une volonté au départ, c'était de ne pas bousculer les choses, de ne pas aller trop vite.
de vraiment avoir une intégration tout en douceur, à notre rythme, tout en ayant évidemment cet objectif de convergence. L'enjeu était d'assurer, on va dire, un rapprochement dans la souplesse. Et donc, nous avons mis en place avec Carole et Raphaël un associé en la présence de Sophie Tachon qui a vocation, on va dire, à être le trait d'union entre Ex-Connexion Strasbourg et Ex-Connexion Lorraine-Paris. Voilà. C'est la présence d'une facilitatrice qui nous permet de nous intégrer dans les meilleures conditions. Et ça se passe merveilleusement bien. L'enjeu, c'est d'apprendre à se connaître et puis d'avoir une approche ambitieuse, mais en même temps respectueuse de toutes les équipes, et tout cela toujours au bénéfice de nos clients.